Alors voilà le champ comment il est normalement. Et voilà comment c'est une fois que les sangliers sont passés. Donc du coup, pas mal de problèmes, forcément avec le voisinage. Et ensuite, ça se traduit, ben, faut faire une battue, ou sinon ça sera battue administrative. Donc moi, je retourne mettre mes caméras pour observer ce qui se passe et on va voir ce qu'on va faire. Donc là, le premier constat, on voit un sanglier qui a que trois pattes. Alors, je pense qu'il a dû se prendre un coup de fusil lors d'une battue, sur une chasse aux alentours. Parce que bon, bah, ça chasse quand même pas mal tout autour de mon territoire. On ne peut pas empêcher, hein. Chacun est libre un peu de faire ce que bon lui semble. Là, il a disparu derrière les arbres, mais le problème, c'est, regardez bien, un autre sanglier, encore la même semaine, qui boite. Alors lui, il a bien les quatre pattes, mais la troisième, si vous regardez bien, l'arrière droite, elle est cassée, elle pend. Donc ça peut être une balle qui est coupée, ou ça peut aussi qu'il soit coincé en sautant quelque part, accroché. C'est possible aussi, mais bon, j'y crois moins. Je pense que c'est plutôt une balle à la chasse. Donc vrai problème, c'est que celui-là, il va repasser trois fois de suite là devant la caméra à des heures différentes, toujours dans le même sens. Alors ce qui m'embête le plus, c'est que en fait c'est le sanglier qui avait une bosse. Donc vous avez pu le voir sur certaines de mes vidéos. Donc là il va à la souille, sûrement pour boire, parce que je pense pas qu'il aille se baigner ou se rouler dans cet état-là. Donc ça fait plus d'un an que je le filmais celui-là, donc ça m'embête un peu plus que l'autre. Puisque bah, c'est le seul qui est reconnaissable. Mais bon, quand on le voit marcher comme ça, bon bah, on sait que bon, c'est pas un organe vital. Bon, celui-ci il est moins abîmé que l'autre sanglier d'avant, mais dans tous les cas, il va mourir dans un coin, c'est sûr. Et bon bah, c'est dommage quoi, parce que pendant ce temps-là, il agonise. Donc bah, l'idée c'est on va organiser une battue en espérant que les chiens arrivent à le faire sortir, les deux là pour qu'ils puissent être cuits. Le gros problème c'est comme vous le voyez, c'est que bah on a eu beaucoup de naissances sur le territoire. Donc je voudrais pas qu'un des chiens attrape un marcassin, puisqu'en fait là c'est le genre de choses, autant on peut ne pas tirer si on voit une mère, que les marcassins allaient dire aux chiens de ne pas l'attraper. Hein. Le réflexe, ça va être de l'attraper et ils s'en sortiront pas. Donc voilà, je suis allé mettre des caméras juste la veille, juste avant qu'il fasse nuit, avant qu'on chasse. Donc voilà, il fait nuit vers 18h, donc à 17h30, je suis allé mettre les caméras. Là, on voit, il y a juste un sanglier qui repartait. Je venais d'arriver, j'étais dans l'autre côté, quoi. Je venais de poser la caméra. Malheureusement, la caméra, je l'avais mise en mode photo. Là, juste à côté, je venais de positionner une caméra avec un pote pour lui montrer. Donc vous allez voir pendant la chasse, cet angle de vue, ce qui se passe ou non. Alors je vais vous expliquer un peu comment se passe une battue, pourquoi faire une battue ou pourquoi ne pas la faire, peut-on s'opposer à faire une battue, la différence entre battue et battue administrative. Mais pendant que je vous explique ça, eh ben, je vais vous montrer les vidéos de ce qui s'est passé juste la veille avant qu'on chasse, juste à cet endroit-là. Ça sera mieux que de voir les sangliers en même temps, quoi. Donc voilà, donc en pleine nuit, on voit qu'ils sont tous là. Donc je vous rappelle le principe, il y a des gros dégâts. Donc les agriculteurs sont obligés d'aller déposer plainte, soit auprès de la gendarmerie, soit auprès de la fédération de chasse. Alors pourquoi ils vont porter plainte? Parce que en portant plainte, ça leur permet de pouvoir avoir de toucher des subventions pour payer un peu les dégâts. Donc une fois qu'il y a eu la plainte de fait, il y a quelqu'un de la fédération qui va venir pour expertiser, un expert. Alors souvent ça c'est des agriculteurs à la retraite qui vont venir, qui font partie de ça, donc ils ont un peu une idée du nombre d'heures qu'il va falloir pour reboucher les trous selon les dégâts. Et de la superficie des dégâts qu'il va y avoir, hein. Que ce soit des sangliers, des chevreuils, des cerfs, tous les grands animaux, il y a des gros dégâts, et c'est des sommes énormes qui sont payées tous les ans.
Donc, pour qu'il y ait ça, en fait, il faut qu'il y ait une plainte. Donc, ensuite, une fois qu'il y a la plainte, il faut que quelqu'un paye les dégâts. Donc, les dégâts, ils vont être payés par la fédération de chasse. Quand il y a des dégâts à faire, la fédération de chasse, en fait, paye les dégâts grâce au timbre des chasseurs. Donc, c'est pour ça que tous les ans, le timbre grand gibier, que ce soit, va être différent le prix selon les départements, selon les années. Ça va dépendre des dégâts qu'il y aura eu. Donc, pour payer ça après, vous voyez déjà le principe, c'est payé par tous les chasseurs. Donc, qu'on soit pour ou contre la chasse, s'il n'y avait pas la chasse, ça serait dans les impôts que vous payerez pour tous les dégâts. Petite parenthèse refermée. Maintenant, il y a deux types de possibilités, faire une battue ou alors une battue administrative. Battue administrative, c'est le préfet qui va faire un arrêté pour un certain territoire. Il va ordonner quelqu'un qui va nommer responsable de la battue. Et selon les cas, s'il y a pas assez de monde, il y aura une annonce de fait dans le journal local. Et tout le monde va être convié à venir chasser, donc là il faut juste le permis de chasse. Il n'y a pas besoin d'avoir le fameux bracelet que l'on met à chaque fois qu'il y a un animal qui est tué. Et dans le cadre d'une battue administrative, l'idée c'est de tout tuer. Vous voyez, rien à voir avec la chasse. Là c'est vraiment une destruction de nuisibles. Donc en fait, si c'est une battue contre les sangliers. Eh bien, tous ceux qui vont venir, en fait, la mission, l'ordre, ça doit être de tirer sur tout ce qui bouge. Donc, que ce soit des mères avec les petits, que ce soit les petits, le mâle, la femelle, une mère qui est pleine, c'est pareil, tout va être tué. Ça, c'est la battue administrative. Donc, l'idée, j'ai pas envie qu'il y ait une battue administrative, donc on organise une battue. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais vous pouvez aussi les laisser. L'autre problème, c'est que. En tant que propriétaire, si vous ne faites rien, vous n'allez pas à la chasse, vous ne tentez pas, là on voit encore celui qui est blessé. Donc, attention, il passe là encore devant. Donc il est parmi les autres, il est toujours là. Ah, il arrive quand même à bouger. Ça se peut que ça se remette, hein, de travers, mais que ça se remette. Ouais, là, si le propriétaire essaye de s'imposer, en fait, il est deux cas de figure, il peut être sanctionné à payer tous les dégâts, à indemniser, c'est lui qui va payer, ou que ce soit la fédération de chasse. Bon, celui qui a beaucoup d'argent, peut-être qu'ils peuvent le faire, mais malgré ça, il peut y avoir quand même la battue administrative de décréter. Et là, on ne peut pas s'en empêcher. Si vous tentez de vous y opposer, vous aurez une amende encore en plus, et vous pouvez même être arrêté si vous essayez de vous mettre carrément en travers et que vous gênez cette battue. Donc, voilà, ça c'est un point que beaucoup de personnes ignorent. Alors, si on n'est pas propriétaire, on ne le sait pas forcément. Moi, j'ai la chance d'avoir des terrains où, vous avez pu voir, je mets pas mal de caméras. Donc, il y a beaucoup d'animaux, puisque quand il y a les chasses autour, ils savent que ils peuvent se réfugier à cet endroit-là. Les seules nuisances qu'ils vont avoir, c'est moi avec mon quad qui passe ou avec mon appareil photo pour les filmer, quoi. Donc, ils sont plutôt tranquilles. Donc voilà, on va organiser donc la battue, et pas administrative, donc une battue qu'on fait avec, on demande à quelqu'un qui vienne avec des chiens et puis essayer de trouver des gens, des chasseurs qu'on pense qu'ils soient assez fiables. J'entends par fiable, c'est qu'ils tirent pas n'importe où, n'importe comment, qu'ils ne soient pas qui ont envie de tirer absolument pour tout tuer. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de tuer. Déjà les deux qui sont blessés, et peut-être deux, trois autres, mais surtout pas une mère ou une mère qui aurait des petits. Ni un gros, puisque en fait, moi j'aime bien voir les gros, même si j'ai pas la chance pour l'instant de les voir. Donc je vais vous montrer les images de la chasse et je vais les commenter en même temps. Donc là, nous sommes le matin, juste avant la battue. On peut voir un chevreuil là, qui se balade à cet endroit-là. Il n'est pas effrayé par les chasseurs puisqu'on n'a pas, on n'est pas encore arrivé. Comme on sait qu'il y a deux sangliers de blessés, on va venir avec un chien tenu en laisse pour faire le pied. C'est-à-dire essayer de trouver des traces, voir s'ils sont bien là et pas lâcher les chiens si jamais un des sangliers blessés est là. Donc là, vous voyez,
où il y a la laisse, où il y a la personne qui tient, et il y a du monde là-bas, donc avec un épieu, c'est une sorte de grand couteau sur un long manche qui permet de, bah, si jamais le sanglier attaque un des chiens, de pouvoir l'empêcher, quoi, le stopper. Donc là, il va sentir un peu partout. Visiblement, le chien n'a pas senti de sanglier, puisqu'à aucun moment il s'est mis à aboyer. Donc voilà, il va falloir lâcher les chiens. On sait qu'il n'y a pas d'animaux blessés. Ils ne semblent pas être là, ou alors ils sont déjà morts, mais j'en doute parce qu'ils avaient juste une patte en moins, ça change rien. Donc on lâche les chiens. Comme vous le voyez, ils sont heureux comme tout, là, ils partent comme des fous. Là, je suis là en haut à gauche sur l'image. Je guette au cas où ça fasse sortir les chevreuils ou sangliers pour les prendre en photo. Ou d'autres animaux, blaireaux, renards, je ne sais pas. Donc là, les chiens vont partir un peu partout, ils sont libres. Malheureusement, j'ai pas été assez rapide pour faire la bécasse. Bon, là, les chiens sentent. Alors, des fois, ils s'arrêtent à un endroit, ils sont tous comme des fous. Est-ce que c'est un animal qui s'est traîné à cet endroit-là ou pas? On sait pas. Ils vont partir un peu partout, les chiens. Donc, à l'extérieur, il y a des chasseurs qui sont postés avec des fusils. Et à l'intérieur, il y en a certains qui vont aller voir, qui vont marcher. Donc le but, c'est d'attraper, si jamais il y avait des chiens, il attrape un marcassin pour les empêcher, quoi. Comme on a vu qu'il y avait pas mal de petits. Alors, vous voyez, ils ont tous une corde, ça permet de faire des annonces. Pour annoncer qu'il y a un sanglier qui a été tué, ou alors qui a été simplement blessé, il faudra faire attention. Là, je suis en train de guetter. Si jamais un sanglier sort. Alors j'ai déjà été dans d'autres battues, des fois quand ça bouge de partout le buisson et que je suis là en face avec mon appareil photo, j'ai un petit coup de stress. Parce que bon, le sanglier n'est pas forcément heureux de se faire prendre en photo quand il y a des chiens qui lui courent au cul et qui se prend des coups de fusil ou qu'il entend que ça tire de partout. Donc là je repasse encore à nouveau, vous voyez l'appareil photo qui dépasse un peu. Donc j'ai flouté les chasseurs puisque... Il n'y a pas de raison qu'il soit reconnu. Là, on venait juste de passer même pas 15 minutes plus tôt, et là, vous voyez, au même endroit, le chevreuil qui sort de cet endroit-là, vous voyez. Il y a beau avoir beaucoup de chiens, en fait, les animaux arrivent c'est tellement épais, à se cacher, à passer d'un endroit, à ressortir. On va le voir sur une autre caméra. Cette caméra, malheureusement, je l'ai mis juste en mode photo, au lieu d'être photo et vidéo. J'avais mis 5 caméras chasse. Là, la chasse se termine. Donc en rentre, je suis reparti chercher les caméras pour voir un peu ce que ça va donner, quoi. Alors on se demande tous, est-ce que il n'y a plus d'animaux? Regardez, le soir même, après la chasse, le renard qui passe, vous voyez, malgré tous les chiens qui étaient passés, au même endroit qu'on voit un lièvre, vous voyez, comme s'il n'y avait pas eu de chasse, hein, les chiens, ça, ils se sont terrés. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Une martre ou une fouine? Je ne sais pas, de dos, c'est compliqué de savoir. Est-ce qu'on se demande, par contre, est-ce que les sangliers sont toujours là ou pas? Donc, oui, hein, forcément. Comme vous pouvez le voir, là, c'est pas le soir même. Et comme en plus, ça chassait autour de là, donc ils ont dû partir plus loin. Et puis, bon, le territoire est grand, il pouvait être aussi à un autre endroit. On les voit, il y a les marcassins, il y a les sangliers, il y en a toujours autant, vous pourrez le voir sur mes futures vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors bon, si vous êtes anti-chasse, c'est pas la peine d'insulter ceux qui sont chasseurs. Vous pouvez mettre que vous êtes contre. Moi, je vous ai expliqué pourquoi, comment ça se passe quand on est propriétaire, qu'il y a des dégâts. J'ai voulu vous montrer comment ça se passait à l'intérieur d'une battue. De chasse, voilà quoi. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé ou un commentaire. Vous pouvez dire que vous n'avez pas aimé
En tous les cas, les animaux, vous allez les voir dans d'autres vidéos. Il y en a toujours autant, si ce n'est plus. À bientôt!